Mesdames et messieurs, à cette revue de presse culturelle qui s'ouvre avec ses titres de la tempête des tropiques, Jubem Piana présente balle de match en Angola. Le journal renseigne que l'orchestre Wenge BCBG de Jubem Piana Salvatore de la Patria, esclave des dieux, devra se produire le 12 novembre prochain à Luanda en Angola dans le cadre de la présentation officielle de son prochain album intitulé Balle de match. Dès son retour à Kinshasa, révèle la source, Jubem Piana doit livrer un concert de clôture de festivités de ses 50 ans le 24 novembre prochain à l'espace Showbiz en face de l'Utex Africa dans la commune de Ngaliema. Le même journal écrit au bas de sa page, les Bayouda ont rendu un dernier hommage à Lufuluabo, Fondation Lofombo. Les groupes folkloriques tradis modernes rapportent le journal d'obédience Luba Grand Kassai, à savoir Bayouda du Congo International de l'empereur Lelimba wa Kushila et la formation dissidente Bayouda Nouvelle Génération des Kadiyoyo ont rendu un dernier hommage à leur mécène commun, Paulin Lufuluabo Kaninda, alias cité par les tabloïds Fondation Lofombo, dimanche 29 octobre au terrain Kalamu à Matongé. Durant deux jours, les deux groupes ont honoré le disparu qui, de son vivant, a assuré la promotion de l'unité culturelle de la communauté kassaïenne. De son côté, la prospérité annonce l'album magique de RCL Gloss, Possession, qui s'annonce palpitante. Ainsi écrit-elle, à la fois languissante et charmante, sa voix demeure impressionnante et sublime comme sa beauté corporelle, chic et rebelle, RCL Gloss aux allures d'un mannequin de haute couture et parmi les nouvelles étoiles de la génération montante de la musique hip-hop en air de Congo, fascinante et créatrice poursuit les quotidiens, elle a réussi à imposer son nom sur la scène du rap congolais jusqu'à devenir la première et meilleure fristuleuse de Kinshasa, a laissé entendre le journal. Restons dans le même journal qui renseigne au bas de sa page qu'est l'un des ancêtres de la rumba congolaise, Mathieu Kouka, s'en va à l'âge de 86 ans. Safro Mazangi finalise un album de 12 chansons à Paris après un long séjour de plusieurs années à Londres, écrit le quotidien Le Journal, pour qui le guitariste et chanteur Safro Mazangi, qui séjourne depuis plusieurs années en Europe, se prépare à larguer sur le marché des disques un album de 12 chansons. 10 chansons ont déjà été enregistrées et devraient être publiées dans un album de 10 titres. Et ces titres du quotidien L'Avenir, Kiamwangana Mateta annonce la résurrection de l'immortel VV. En croire le quotidien, de nombreuses années viennent de passer depuis que le groupe immortel VV du PDG Kiamwangana Mateta, connu sous les sobriquets de Verkis, est entré dans une longue léthargie. Cela est dû selon le vouloir de son mentor, le PDG Kiamwangana Mateta. Cependant, après mille et une réflexions, ces derniers vient de décider la résurrection sur ses cendres de l'orchestre immortel VV. Et selon les hit parades de la semaine conclues par le même journal, Cursus de Fabregas se trouve à la première position, Jugement Ferregola est à la deuxième position, 7 jours de la semaine de Werenson est à la troisième position, Forever de Papa Wemba, quatrième position, Nyatakans de Koffi Olomide, cinquième position, Billy Abel avec signature est classé à la sixième place, Correction, Jubem Piana, septième place, Tokos Fali Poupa, 8e position, Robino Chifrenev égale à la 9e place, le 7 Vérité de Désimboissé qui ferme la manche à la 10e position du Hit Parade de la semaine. Voilà tout pour cette revue de presse culturelle. Vous en avez l'or parce que vous en avez un concert, moi, comme nous, vous allez organiser. Et je vous laisse les soins à notre sœur. Et mon copain Sabine, on va préciser, on va détailler concernant la dite production. Grâce à Dieu, toza lissusu na esengo, ya ko salela nzambe, ya ko sanjola ye, ya ko kumisa ye, et toza sans ignorer que nzambe salibi songolo, bana na nzambe nyonso boyebi que to bandi na mobembo o ya 2017 ko banda janvier. Lelo oyo 10 mois mobimba ici longwe déjà
na année 2017 bien aimé tuza na iloko nini otokoki kopesa na nzambe. Alors mutu nyonso azo reconnaître que nzambe apesie pema, nzambe apesie makasi, nzambe apesie makoki bien aimé soki zaki ko dépendre na bato mokilika kata mosusu olingai kozala vivante. Yo moko tala, yo moko examiné ndenge nini bitumba okutani nango banda janvier kino lelo. Alors le Seigneur t'a accordé cette grâce là ya ko vivre ya ko zala compter parmi ba vivants biso banso tolobi tozo kende déjà ko lo bana nzambe merci tozo kende lo bana nzambe merci parce que na nyonso tokoyi ko sala bien-aimé oyo ko zala vraiment mo tuer na miso ya nzambe ko leka eza bongo masan joli oyo esengeli na biso komema epai na ye. Talatina tobengi sibino bandeko nyonso ya Kinshasa mobimba ya plateau de Bateke pe lisusu bandeko ya Maluku, bandeko ya Nsele, bandeko ya secteur nyonso ya Changu pe Kinshasa nyonso, parce que mokolo wana tolingi vraiment tokendo sanjola nzambe. Alors place o eza choisi eza bongo na Mikonga, na Mikonga parce que na kati ya cadre ya évangélisation na groupe la Mano Didi otolobaki tozo tambola tozo kende bongo ko rejoindre bandeko bipai na ba commune différentes na ba secteur na ba différents secteurs ba différentes communes pour na masan joli et na nzila ya ba concert bandeko belé ko pesa bango opportunité ya ko yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Talatina bien-aimé, mokolo ya le 12 novembre eza dimanche prochain. Eza dimanche oyoya, mokolo le 12 novembre nde mokolo oyo biso nyonso tokozala na Mikonga. Esika tokobeta concert eza bongo na place moko bakomaka place Muzitu. Place on a nde tokobeta concert et puis eza na arrêt Efobank. Soko okozo kende oleki aéroport bali ko pousa na komi na mwa pe liboso kuna tuna arrêt Efobank. Soki to silisi concert ya le 30 décembre na Grand Hôtel ya Kinshasa wana eza total adoration. Soki to silisi kuna je pense que par la grâce de Dieu année prochaine toko banda na Kisenso. Bande kwa Kisenso botuni biso mingi tozo lukande ngeni to bongisa makambo ezala malamu. Alors année prochaine to bandana Kisenso parce que bande kwa Kisenso pe bazana posa ya masan joli baza pe na posa ya kokuta na Yesu Kristo na nzela ya nzembo à travers le groupe la Mano Didio. Alors bien-aimé, rendez-vous au toza nango siko eza dimanche le 12 novembre oyo à partir ya 14h na arrêt Efobank na place Muzitu na Mikonga. Kuna leka aéroport muke opusani Mikonga ezawana bien aimé to kende secteur wana to envahir secteur wana to pelisa moto na secteur wana afin que oyo nyonso etelemela ki bato etelemela ki bana na nzambe ezala briser à travers la louange et to zwa opportunité ya koyebisa nzambe merci pour na ba mois oyo à faire traverser biso na 2017 pe to lobana ye merci parce que tozo katisa 2017 moto likolo. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Yaka mokolowana na attitude ya remerciement tozo keneka kolobana nzambe merci ma sang joli tozo ke nous pesa na nzambe merci parce que tozo croire que na bolingo na ye alekisi biso 10 mois et puis 11e mois tokoti eza ya mapamboli et tozo kota 12e mois plutôt que de clôturer année 2017 en beauté. Que Dieu vous bénisse parce que biso no sto noté ba rendez-vous bande ko ba marché nyonso ba marché à liberté ba marché kuna ya Mikonga ba marché ya Kinkole bande ko ya Nsele nyonso Maluku kuna to mona na biso banso na Mikonga le 12 novembre à partir de 14h na place Muzitu na arrêt Efobank kuna nde sika oyo na Mano Didio et longo na sponsor na biso tozo kende pona ko sanjola Yesu koneto la Yesu e mokolo wana eza mokolo na yo bien aimé ko zangati. Que Dieu vous bénisse. Voilà, alors sœur, alors tout ce qui moke tozo avant goût ya concert à le 12
moi bah a capella pour nous ça plaisir na bana nzambe bazolanda ozali mo konzi ya batonyo sonamo kili otalisi ete oza nzambe na mo kili mobimba olobaka nyonso eto saka haleluya ame haleluya ame na monite yesu oyo alobaka lokola yo azali te yesu ata na libota na nga mosusu aza te na vie tokoyeba baloyembo lokola kaka seyo yawe natali na likolo mpe na nse namoni te nani akokani na yo yawe yoana yoane yoana kuna na lola yewala banzembo eza ebele lolenge mose atombolaki eza ye wana toza na banzembo lokola nyama na etumba toza na banzembo lokola lokito lokola ana lokola jehova lokola ebenezer lokola moto asuka toza na baloyembo lokola yeshua mibange tina te eza na tina akuna mungu mosala na ekulusu repertoire eza mpenza garni mpona benediction ya ndeko moko mibongisa kaka po ya koyebisa nzambe merci. Bien aimé, merci et fongola kalola. Merci et fongola kabikuke. Merci et tindikaka nzambe asala asala lisusu koleka. Alors bien aimé, na 10 mois yo so traversé au côté 11e mois, yako yebisa nzambe merci pe otalisa ye que ozana foi que 2018 ezaya ko fongwama. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour, là vous venez de suivre la revue de presse culturelle et juste après l'entretien que Laurent Bongo nous avait accordé, c'était hier et nous allons cette fois-ci déjà recevoir pour vous notre invité du jour et nous profitons de cette occasion pour d'abord présenter nos sincères condoléances à la famille Mbenza, à Natacha Mbenza pour la disparition de sa grande sœur Dishka Mbenza. Donc vous aurez les programmes. Déjà, nous vous signalons ce vendredi, le corps sera exposé à la Fitine, pavillon 14, et l'enterrement, l'inhumation interviendra le samedi 11 novembre. Ce sera bel et bien entre ciel et terre, entre terre et ciel. Voilà, alors courage à tous les Mbenza, à Patou Mbenza, à Papi Mbenza, à Serge Mbenza, à Natacha Mbenza, à Lydia Mbenza, à tous les Mbenza. Courage aussi à leur papa, donc courage. Mais si vous voulez consoler cette famille, vous pouvez aller sur l'avenue des étoiles numéro 17, en Gafani. C'est vraiment leur domicile familial. Notre frère est là, Moïse Matuta, notre invité principal. Bonjour frère Moïse Matuta. Bonjour papa Toto. Comment le comment naturellement motem. Ma bête. Non ma bête. Non ma bête. Et ça l'artiste et son œuvre ou le serviteur avec son message, il y a pas de souci. Très bien. Alors vous n'êtes pas venu seul. Namoni Poyina, maman Jemima, Matuta, manager. Manager et moi azo coacher. Ah moi ça manager papa na bana. Est-ce que ils ont qu'une bientôt on a sentiment plus en quartier. Non, ils ont qu'une ont bien, ils ont qu'une bien era musala la musala era ndako zandako et qu'une ont très bien ça. Ozo kayepe. Bien sûr. Ah, vous savez qui papa t'es? Non, pas du tout. Au moins, je ne sais pas si tu as évolué. Si tu as même l'église.